À l'intérieur du comité de la bibliothèque des bénévoles, on a choisi Bibliothèque des Aunais parce que ça nous représentait vraiment beaucoup. C'est une bibliothèque et des Aunais, c'est un très très beau nom et qu'il appartient à ce village-ci et on est content de s'appeler comme ça. Je vous présente le logo de la Bibliothèque des Aunais. Alors c'est le logo de la municipalité et le nom très stylisé. Vous remarquez que c'est le même jaune que nos murs. Ça, c'est Nicolas qui est derrière tout ça. Et puis, le même bibliothèque des Aunais est inscrit sur le mur jaune à l'entrée de la bibliothèque. Il y a quelques phrases ici et là qui sont inscrites sur nos murs. Donc aujourd'hui, on inaugure les nouveaux locaux où se passe l'administration du gouvernement de la municipalité de Saint-Rémy-des-Aunais. C'est une vision de ce que nous sommes comme premier ordre de gouvernement dans la société que sont les municipalités. C'est un gouvernement. D'ailleurs, en 2018, le gouvernement précédent avait en fin de parcours reconnu dans la loi les municipalités comme étant des gouvernements de proximité. Ça n'a pas donné plus d'argent, là. Mais c'est une reconnaissance quand même légale qui fait dire en sorte qui reconnaît les municipalités comme le premier intervenant auprès des citoyens. Puis c'est ça, vous allez me dire, ça a toujours été ça, mais gouverner, c'est prévoir. Donc, gouverner aussi, c'est faire en sorte qu'on prépare tout le temps l'avenir dans l'administration du quotidien. C'est plus qu'administrer le quotidien. Mais il ne faut pas le perdre. Si on n'est plus capable d'annoncer le quotidien pour aller dans l'avenir, ça ne marche pas, mais c'est les deux. Donc, et une mairie représentait plus qu'un bureau municipal au sens plus administratif du terme. Non pas que ce n'était pas bien, c'était correct, mais ça incarne aussi, ce nom-là, une vision de gouvernance dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt général. C'est ça qui habite le conseil, c'est ça qui est derrière aussi l'appellation d'une mairie, avec la fierté d'une mairie qui appartient aux citoyennes et aux citoyens de cette communauté, auquel le conseil municipal est à son service, mais dans son intérêt général. Alors, c'est un peu ça qui fait en sorte qu'on a ça une mairie. C'est pas là. C'est pas nouveau, mais c'est assez significatif.